Et vous avez un invité surprise. Bonjour Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, je m'appelle Toufik Semoun, lycéen dans l'enseignement inférieur de la cité Cavadams. Vous avez raison Madame de condamner la violence de ces derniers jours, parce que franchement la violence c'est pas bien, ceux qui font ça ils méritent qu'on leur explose leur face de bâtard quoi. Voici ma question, après la vidéo des étudiants de Mantes-la-Jolie mis à genoux les mains sur la tête là par les keufs, est-ce que finalement la vidéo la plus choquante de ces des derniers jours, c'est pas celle du président mis à genoux par 67 millions de Français hier à 20h? Ouais. En gros, c'est quand on est au pied du mur qu'on lâche du lest, quoi, non ? C'est une vraie question que vous me posez, parce que si c'est une vraie question, elle interroge sur la façon dont les choses sont perçues. Et je crois qu'il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. L'objectif du président de la République, il l'a rappelé hier, c'est de faire que les Français se parlent à nouveau et que les Français co-construisent leur avenir. Et voilà, moi j'ai toujours un tout petit peu de mal lorsqu'on manque de respect quelque part à une fonction. La fonction présidentielle dans la Ve République, c'est une fonction qui est essentielle et c'est très important que nous puissions construire ensemble ce que nous voulons pour la France de demain. Et ça passe pas forcément par des moqueries, même si elles peuvent être très drôles. Merci Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, était l'invité ce matin de Sud Radio. Eh ben, on vous félicite pas, Toufik. Merci. Ah c'est, bah, c'est Dany Moreau, bien sûr, qu'on retrouve à 8h20 en intégralité. Vous serez au piqué à 8h20. Oui, les mains sur la tête. Restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio.